Anne est née le 20 décembre 1998 à Paris. C'est un Sagittaire ascendant Balance. Et avec un thème aussi marqué par l'élément feu et surtout par un Mars à l'ascendant, Kylian avait déjà à la naissance toutes les chances de devenir un bon sportif. Mars à l'ascendant, c'est la garantie d'être le plus rapide d'entre tous, d'avoir une belle énergie qui ne s'épuise pas facilement. C'est aussi l'assurance d'avoir la compétition dans le sang, l'envie de se battre et d'en remontrer aux autres. En réalité, le monde extérieur dans son ensemble est en quelque sorte un rival à affronter. Qu'est-ce qui fait que Kylian est exceptionnel dans son domaine? Qu'est-ce que sa naissance lui a donné de plus que les autres, hein? Déjà, être né dans une famille de sportifs, ça aide. Le destin le place exactement à l'endroit où il devait être pour développer son talent. Ça n'arrive pas à tout le monde, hélas. En outre, plusieurs éléments convergent. Non seulement Mars à l'ascendant et le Soleil Sagittaire sont importants, mais plus encore, Kylian possède aussi une jolie conjonction entre Mercure et Pluton qui lui donne quelque chose d'extrêmement précieux, il a la vista. Ce n'est pas un sens inné de la stratégie comme pourrait l'avoir un sportif né sous le signe de la Vierge par exemple. Non, Kylian possède en fait une forme de clairvoyance dans son domaine, celui du jeu. Une clairvoyance qui n'est pas banale. Certes, beaucoup de joueurs ont de l'instinct et sont tellement bien entraînés que leurs automatismes font tout le boulot. Kylian a tout cela, plus la vista. Et c'est comme s'il savait, s'il visualisait une action avant qu'elle ne se développe. Elle se dessine dans sa tête sans qu'il l'ait cherchée et il n'a plus qu'à suivre le schéma. Pas d'effort à faire. Juste celui d'accélérer, et c'est physiquement son point fort avec Mars à l'ascendant. Mais il ne faut surtout pas oublier que son ascendant occupe la Balance. Non content d'être extrêmement doué, il possède aussi quelques qualités de ce signe d'air, très tourné vers les autres. Alors, un besoin d'harmonie, un souci de beauté, d'esthétique, et parfois l'esprit d'équipe. Hein, c'est la thématique de la Balance. C'est même un des traits de caractère principaux de la Balance que d'aimer le travail en équipe. Toutefois, à cause de la présence de Mars dans ce signe, et Mars est conjointe à son ascendant, l'esprit d'équipe n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. Comme Kylian est très réactif, il suffit qu'un collègue, entre guillemets, lui fasse une entourloupe, même minime, pour qu'il le traite en ennemi. C'est vraiment son problème. Il a grand besoin des autres, il n'existe pas sans l'équipe, et parfois il les traite plus comme des ennemis que comme des alliés.